Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo sur le compte level 1 et aujourd'hui on va essayer de monter Karl pouvoir 15. Donc on est sur la map de survivant pleine orageuse avec du robot, donc il y a moyen de récupérer un maximum d'énergie. Et si on arrive à monter le Karl pouvoir 15, on s'ouvrira, bah écoutez, 15 boîtes en fin de vidéo et sinon bah, on s'ouvrira un petit peu moins de boîtes. C'est parti. Allez, du coup on est parti pour une première game avec Karl. On va voir un petit peu comment on s'en sort. On va essayer d'aller chercher des caisses assez rapidement. Pour monter en énergie, il y a une double ici. Ah non, c'est une simple, my bad. Je sais pas pourquoi j'ai vu une double. Hop, c'est pas mal ça. Vas-y, va chercher une autre. Va chercher une autre, Dynamic. Ça sert d'aller chercher les mêmes que moi. Bon, on va chercher celle-là et puis on va retourner sur l'autre après. Parfait. Hop. Hop, si on peut aller chercher celle de dessous en plus, toujours bon à prendre. Parfait. Parfait, ok. Donc on est à 4, on est à 6000 PV à peu près, je pense. Voilà, 6000 PV pile. Très bien. Hop là, tiens, un petit aller-retour ici qui nous permet de charger notre ulti. Zeus ici qui prend tarif. Deux coups dans la tête de Zeus, on va essayer de se barrer quand même. On n'a pas envie de tomber sur le robot. Alors, est-ce qu'il est avec nous? Ok, il nous suit pas. Il nous suit pas. Putain, ça team up ici. Hein. Allez, tiens, bim. Putain, je déteste les teamers. Surtout quand t'es pouvoir 1 et que t'as genre autour de 200 trophées. C'est tellement la honte de teamer à ce niveau-là. Déjà c'est la honte de teamer quand t'es à 500. Ah mais alors quand t'es une merde qui vaut 200 trophées, c'est encore pire. C'est vraiment encore pire. On ira voir peut-être leur niveau en fin de partie en termes de pouvoir. Mais ça se trouve en plus ils ont des gros pouvoirs, tu vois. Alors ça m'embête un petit peu de mettre la pression sur le... C'est bon ça. Le Frank qui a mis la misère sur le Spike avec qui il était censé faire équipe. Ça fait toujours plaisir. On va essayer de le suivre le robot là. Ok. Essayons de suivre le robot un petit peu. Il est où le Frank? Ok, oh, il est encore très très loin de le tuer. Bon, on est 4 encore. Il fait mal, je pense, le Mortis quand même. Je suis pas sûr de pouvoir le down aussi facilement. Surtout qu'en plus, si j'essaye de lui mettre la pression. Ouf, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous font? Qu'est-ce qu'il nous font? Qu'est-ce qu'il nous font? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Zeus? Il est fou, lui, Zeus. C'est con, il y avait un Frank qui était vraiment, vraiment low PV. Hop, tiens, bim. Arrête de m'attaquer. Comment ça se fait? Ah bah oui, il y en a 4, Marc. Ok. Le Mortis qui a pris tarif. On va essayer d'aller chercher cette énergie gratos. Voilà. Allez. Hop là, on nettoie tout le monde. Bon, on a fait seulement un petit 5 d'énergie, 7 quand on a tué le Frank. C'est pas exceptionnel. Franchement, je pensais qu'on allait pouvoir monter un petit peu plus haut. On va essayer de pousser. Et du coup, on enchaîne sur une petite deuxième. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, c'est du Karl aussi. Il a 5060 PV, donc il a plus de résistance que moi. Ok. On en a eu une chacun, admettons. Moi, je vais aller chercher celle-ci. Lui, va peut-être essayer d'aller chercher l'autre. Hop, espérons que le... Non, c'est bon. Je me suis dit, espérons que le Daryl veuille pas aller chercher celle-ci. Mais non, il en avait d'autres à aller chercher. La petite Piper ici. Ouh, elle a fait mal. Ok. Ok, bon, le principal c'est que on puisse aller chercher celle-là. Oh, c'était pas mal ça. Un petit auto-shot, mais finalement qui a eu de l'effet. Hop, on va essayer de récupérer celle-ci assez rapidement en attaquant les murs. Ok, bah écoutez, on récupère une cinquième. Cinquième d'énergie. Si... Oh putain, non, c'est quand même pour moi. Ah écoutez, on va la laisser pour le boule. Voilà, c'est le boule qui récupère. C'est parfait. On va essayer de lui mettre un petit peu de pression au boule là. Oh, le boule qui a pris tarif. Hein. Le boule qui a vraiment pris tarif. On n'est plus que 6. Attention, il y a peut-être encore un quart là dans le coin. Voilà, dans les buissons, faire très attention. On a 5800 en dessous, donc je suis meilleur que le... Putain, vas-y, on va aller chercher. Allez, hop, on va pouvoir peut-être laisser la tourelle tanker un petit peu. Pendant qu'on se barre. Voilà, il y aura de l'énergie à aller chercher. Ah, il y a un djinn déjà dessus. Dommage, je crois qu'il y a de l'énergie au nord. Ouais, il va aller la chercher. Tant pis. Oh, ça va être compliqué là d'aller sur le Karl assez rapidement. Avant que le robot tombe. Ah, ça va le faire remonter tellement ça. Hop, voilà. Vas-y, on va essayer. Voilà, la pression. Hop là, on a 10. Vas-y, bah écoute, grabe-moi mon ami. Oh, ça fait tellement mal. Allez, c'est fini.
Et c'est le GG. Parfait. Bah écoutez, on s'en sort bien. On a fait 10 d'énergie, donc c'est mieux que le 5-7 de tout à l'heure. Bah écoutez, on va essayer de monter comme ça en puissance. Allez, du coup, on enchaîne. Bon, c'est vrai que maintenant, 10 par 10, quand vous gagnez des trophées à bas niveau, ça va monter très très vite. J'ai hâte de voir un petit peu comment mon compte pouvoir 1, il va pouvoir monter un petit peu. Mais on devrait pouvoir bien monter. Hein. Hop là, on récupère tout ça. Voilà. Hop, on va essayer d'aller chercher peut-être cette caisse-là. Même si je vous avouerai que ce petit renfoncement-là, je le trouve assez, assez désagréable. J'aime pas trop devoir aller chercher les caisses ici, mais bon. Hop là, si on peut récupérer celle-ci en plus, ça serait trop stylé. Voilà, on va essayer de mettre la pression un petit peu sur la, voilà, sur la Tara pour pouvoir récupérer les 6. On est à 6, là. On est à 6, c'est très très bien. La Tara qui a plus de range que nous. Hop là. Bon, la Chili, hop. Allez, tiens, t'as peut-être plus de range, mais par contre, tu te prends un petit aller-retour des familles. Tu m'en diras des nouvelles. Ok, il y a un beau qui a posé des mines. On va essayer d'aller les déminer, hein, bien sûr. Hop, voilà. On sait que c'est là. Juste... Oh non, putain. Putain. Ok. Bon. Ça va, on s'en sort bien. Allez, tiens. Bim. Ça prendra un petit aller-retour. Hop. Vas-y. Allez, tiens. Ok, ça passe. On va essayer de pas trop déminer cette fois. Ok, 8 d'énergie. On est full life. On peut faire un bon petit score là sur celle-ci. La Tarak a... Bah, qui vient de se prendre un aller-retour encore une fois. On n'a pas eu trop de robots en fait. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à monter en énergie. Hein. C'est parce qu'on n'arrive pas à choper les robots. Hop, le boule ici qui a l'air motivé pour aller chercher ce robot. Oh, putain, bah, attendez, puisque là... Hop. Ah ouais, j'avoue qu'il a détruit complètement la map, lui. Il a complètement détruit la map. Allez, cancelez sa régène. Latara, qu'est-ce que tu nous fais? Ouais, mais Mortis, là, qu'est-ce que tu nous fais? Ok. Oh, Latara, attendez. Ah, mais Latara qui a absolument rien fait d'intéressant, là. Ok. Faut absolument pas que le robot revienne sur ma gueule, par contre. Ouais, je suis mort. Oh, dommage! Et franchement, si j'avais pu récupérer les énergies là, ça aurait pu être stylé de ouf! Oh, ça aurait été trop fort. Oh, putain, ça aurait été tellement beau. Allez, du coup, on enchaîne. Hop là, on casse du crâne. Ah non, même pas. Ah si, quand même. Ok, ça, on va le laisser. Hein. C'est pas notre kiff. Tiens, hop. Par contre, un petit aller-retour sur le col, ça fait toujours plaisir. Hop. Est-ce qu'il va me suivre? Ouais. Oh putain, en plus il a même pas visé en plus. Je suis frustré de ouf. Tiens, hop, allez, dégage. Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont tous les colts là? Qu'est-ce qu'ils ont tous les colts à me faire chier? Tiens, bim. Ok. Oh, ça va être chaud ça. Wouhou! Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Non, moi je joue pas à ça. Hein. Je suis désolé. Il m'a l'air fort le costaud. Oh, c'était pas mal ce petit aller-retour là. Hop. Oh, parfait ça! Oh, on va se gaver comme un porc. Hop là, on se barre. Franchement, on la joue safe. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Et on est pouvoir 7, mec. Quand même. Respecte-moi un petit peu. Allez, tiens. Parfait! Ok. On est pouvoir 9. Il y a un mortier là. Qu'est-ce qu'il nous fait ce mortier? On est plus que 3. Il y a la Penny. Il y a le Colt. Le Colt qui va bientôt décéder. Il en est où le robot? On aimerait bien se gaver du robot, nous. Ah bah voilà, on va se gaver du robot. Hop là, parfait. On est à 12. Bon, dommage, j'aurais préféré vraiment que le Colt meure aussi. Mais bon, franchement, on s'en est bien sorti. 12 d'énergie, toujours 3. Hop là. Alors, ils sont en bas, du coup. Il y a la Penny toujours. Je sais pas si son mortier est encore vivant ou pas, la Penny. Ah oh bah attendez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, du coup. Bah ouais. Elle était forcément là. Putain, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, on va faire très attention. Très attention, parce que là, si les deux se mettent sur nous... Ouf. Hop, ok. Bon, alors là, franchement, le Colt niveau 2, normalement, à part s'il nous place un multi de ouf dans la gueule. Hop, voilà. Il suffisait de jouer un petit peu avec la tangente. Hop, voilà. Voilà, bien sûr. Impossible de s'en sortir ici pour Colt.
Essayez toujours de prendre la tangente de son cercle. Bon, je sais pas si c'est très très clair. Tiens, je vais vous faire un dessin. Voilà, hop, la tangente, c'est ça. Bah écoutez, essayez de vous déplacer sur cette ligne-là. Du coup, ça vous permet d'esquiver plus facilement les balles de Colt. Allez, du coup, on enchaîne. Bon, bah écoutez, on révise un petit peu la géométrie hein, en même temps. Mais pourquoi est-ce qu'il faut essayer de se placer sur la tangente? Tout simplement parce que ça va être la plus courte distance, je pense, pour s'éloigner des balles que pourrait tirer Colt, en fait. Donc en vous déplaçant sur la tangente, vous allez avoir plus de facilité à esquiver les balles de Colt. Notamment quand il a son ulti, c'est très très important. Donc voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Moi, c'est ce que j'essaye un maximum de faire. Après, c'est pas toujours évident. Des fois, j'y arrive pas. Oh, le robot ici. On va essayer de leur filer peut-être au... Ok, oh merde. Non, ouais. Fais pas la triple explosion. Le pire, c'est vraiment cette triple explosion. Là. Oh, bon, coulis, toi. Tiens, et bim, prends-toi un aller-retour. Ça va te calmer un petit peu. Et généralement, le beau, vous voyez, il prend un aller-retour et il arrête de jouer. Hein. C'est chiant, ça, par contre. Allez, tiens, bim. Ça a touché, ça? Je suis même pas sûr que c'est touché. Bon, arrête. On a quoi, là? Ok, Dynamite. Ah bah, il me semble bien que c'était le Dynamite aussi qui allait l'avoir. Zut, du coup, c'est le croc qui a récupéré ça. Je m'attendais à ce que je puisse quand même un petit peu essayer de rentrer les dégâts. Ok. Oh, dommage. J'ai manqué. Oh, putain. Ok, parfait. On est à 5. Ok, c'est le croc qui l'a. Il est à 16 000, le robot. Oh, ça fait mal. Ok, vas-y. Attendons-le. Le Rico qui est là aussi, hein, qui veille au grain. Oh putain, ça fait mal les petites attaques là. Ok, il est mort. Oh, il est où le robot du coup? Il est parti le robot. Bah, quelqu'un a dû le prendre. Bah, du coup, ça doit être le croc qui a eu le robot. Parce qu'il avait pas tant de. Il avait pas tant d'énergie que ça, je crois qu'il était à 1. Donc, du coup, ouais, il a dû avoir le robot. Hop, ici le Rico qui va avoir le robot aussi peut-être. En tout cas, c'est pas pour moi. Ça, c'est sûr. Si, c'est pour moi. Non. Non, pas pour moi là. Pas pour moi. Oh, le petit aller-retour, est-ce que ça va suffire? Non, mon curseur. Oh, mon curseur qui s'est barré. Ah, oh, je suis dégoûté. Oh, peut-être. Ah, s'il vous plaît. Oh non. Oh, le bug de curseur. Ah, oh, je suis dégoûté. Bon, bah écoutez, finalement, on n'a pas réussi à faire le 15 d'énergie, vous voyez. Hein, j'ai monté beaucoup de trophées sur mon Karl, et pourtant, on n'a pas réussi à faire le 15. J'ai essayé de vous mettre les très très bonnes games où on s'est un petit peu amusé, et bah écoutez, on va essayer d'ouvrir des boîtes et peut-être de récupérer des nouveaux brawlers. Donc, on va s'ouvrir une petite dizaine de boîtes. On va trouver de la Rosa et du Ricochet. Ici, on va trouver du Karl et du Ricochet, de la Rosa et du Daryl. Du Colt et de la Pam. Alors nous, ce qu'on veut, c'est des nouveaux brawlers, bien entendu, parce que on est sur le compte pouvoir 1, et donc du coup, bien sûr, tout nouveau brawler est intéressant pour nous. Bon bah il nous reste 3 caisses. Bon, on n'aura pas eu grand chose. Hein. Allez, encore 2 caisses. Aïe, la dernière caisse. Aïe. Bah écoutez, encore un opening très très difficile. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Moi, je vous dis à très très bientôt. Bisous. Bye.